Mano, por favor, no sé. ¿Se son muros de tu mola? Yo ni yo lo pongo la mano. No sé, es que es Hola, ya me voy a mover la boca, por lo menos. Un poco muy bien. Le PSG. Repo. Garde, vous. Ok, nous allons passer à la promesse et à la cérémonie d'investiture et à l'investiture. À mes credos de base, Somwe Yao de base, Fadjo Prince de base. Présent. Ekaris Enfant de base. Présent. Didier Kakoui de base. Présent, chef. Poli Yves de base. Présent. Aouté Padier de base. Abdia Lomessi de base. Okoroko est l'homme de base. Et Fassia Djoubna Gangou de base. Ok, face à moi. Prêt. Où le salut? Il a des photos. Il met des photos, on a raté. Ah bah là, quoi. Et il y a des noms fixes. Où le salut, Majeur 1. 2. C'est un frère pour faire demi-tour. Demi-tour, tourne. Pour la promesse, mangez un. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Je veux observer la loi des JIA. Deux. Amen. Amen. Encouragez-les, s'il vous plaît. Amen. Amen. En position d'investiture. 1. Nous demandons au chef guide de Basile jusqu'à jusqu'au chef la chef telle la Moussa de passer à l'investiture. Allez-y.
Célébrer de corps et âme dans ce club pour le bien-être de la jeunesse. Deux. Allez. Amen. Deux gens de bain. Adiassa et Thierry de Bar. Présent, chef. Analyse map de bar. Présent. Apollo Roland de bar. Présent. Antou et Titou. Réunion de bar. Face à moi. Partez. Disposer une bague devant, une bague derrière. Aux chefs guides qui sont à ma gauche de passer à l'investiture. Position d'investiture. 1.
Salut, moi j'ai un.
Dieu. Voilà sa mère. Un. Par la grâce de Dieu.
vraiment les faire. Pour le salut, mange un. Deux. Demi-tour, tournez. Pour la promesse. Un. Amusement de la guérison.
Martin. Bon. Martin. Le chef. Merci beaucoup pour le service. C'est pas pour moi. Maman, mon aide. Chef, mission accomplie. Merci. La cérémonie peut donc continuer. Nous demandons au PCG. Au chef Guido, gouvernement est merci. Et maintenant, je vais vous appeler mes chefs. Attention, garde, repos. Alors, voyez à l'écoute pour la chambre. Pour le salut, garde, un. Ok, chef, vous avez la parole. Avec sérieux et succès le programme de formation des PCG. Ça a pris du temps, mais vous avez été persévérant. Et en ce jour, sabbat 4 septembre 2021, voici un petit chef qui nous rendons gloire à les chefs qui, sur le plan national, me le permettent, je voudrais vous souhaiter une fois encore la cordiale bienvenue. Des rencontres régulières et vous charge de tout faire pour prendre part à ces réunions. Je vous charge dans la voie, la promesse et l'engagement des éclaireurs de l'Asia. Je voudrais vous rappeler que vous avez été investi chef guide au sein de la jeunesse de l'Église Adventiste du septième jour et vous charge de vivre conformément à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous charge aussi, je vous demande de bien vouloir retourner, saisissez-moi bien, écoutez-moi bien, je vous charge de bien vouloir retourner les insignes que vous venez de recevoir à la Fédération des Églises Adventistes du septième jour du Togo si vous décidez de vivre autrement ou de rejoindre votre société. Ça veut dire parmi vous, il y a aujourd'hui beaucoup de dissidences. Le jour où vous décidez de les rejoindre, grâce à Dieu, cela ne vous arrivera pas.
va être avec vous très bientôt. Toutes les cérémonies soient organisées. Et tous les jeunes soient formés pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Je voudrais vous dire un peu ce que signifie la position que vous venez d'adopter pour l'investiture. Le genou à terre signifie votre humilité, votre soumission au Seigneur et au corps dirigeant. Pour cela, je vous charge, par la grâce de Dieu, d'être humble, d'être soumis à la volonté du Seigneur et surtout à vos dirigeants, sur tous les plans. Le second pied du genou sur lequel vous avez pris appui indique que vous êtes prêt à partir pour la mission. C'est pour cela que je vous invite à vous mettre à la disposition du Seigneur chaque fois que vous aurez l'opportunité afin de pouvoir travailler pour le salut des autres. Sur ce, répétez ce qui suit après moi. Je m'engage à être un véritable serviteur de Dieu et ami de l'humanité. Je m'engage à être un véritable serviteur de Dieu et ami de l'humanité. Je m'engage à être aux côtés du Bureau national pour la formation et l'encadrement des autres jeunes sur tous les plans. Sur tous les plans. Quand je dis sur tous les plans, je parle du plan spirituel, social et tout ce que vous pouvez entendre par cela. Ensuite, et enfin, je m'engage à travailler pour l'extension du royaume de Dieu ici-bas. Je m'engage à travailler pour l'extension du royaume. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, et lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il la rende parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reviendrai pour une cérémonie spéciale après la prière de consécration. Je vous invite à prendre vos livres. Entre les mains de Dieu pour sa gloire, pour le salut des âmes.
Éternel, 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 notre Dieu et notre Père, tendre Père céleste, Jéhovah Sebaoth. Rendu à ton seul nom, Seigneur Dieu des cieux. Toi qui connais tes enfants qui sont à genoux devant ta face, la parole venant de toi entre leurs mains, je te prie de faire de la parole vivante, ô mon Dieu, mon Père. Que ta parole soit dans leur bouche comme une épée à double tranchant, Seigneur. Serve-moi pour leur salut et le salut de ceux qui les entendent. Ô Dieu, tu connais les talents que tu les as confiés. Tu sais ce pourquoi, en ce jour, à Ephrata, tu as permis qu'il soit un musicien guide. Tu sais ce pourquoi, en ce jour, tu as permis que la pluie tombe. Moi, je voudrais te supplier que tu les consacres en leur accordant la douce portion de l'Esprit Saint. Accorde-leur la pluie de la réassurance afin qu'ils puissent aller de l'avant et atteindre le monde entier avec l'Évangile, ô mon Dieu. Qu'ils soient des sources de bénédiction, Papa. Que partout ils passeront, Seigneur, que l'on sente la divine présence, que ta gloire transparaisse dans leur humanité lorsqu'ils prendront la parole pour évangéliser, pour gagner les cœurs. Ô Seigneur Dieu, aide des exemples parmi les générations. Arme-les pour ton service. Que tes anges forment le petit et le grand bouclier autour d'eux. Ô Seigneur mon Dieu, nous sommes dans un monde de péché. Je te prie, ne les soumets pas à la tentation, mais délivre-les du mal. Ô Père, ils ont pris le nom d'Abel parce qu'ils veulent avoir la foi d'Abel. Ô Seigneur, aide-les donc. Conduis leur pas. Et permets que, Seigneur, leur foi soit la foi qui conduit dans l'éternité. Leur foi soit une foi qui conduit à l'obéissance. Leur foi soit une foi qui glorifie le nom du Père. Ô Seigneur, tu connais chacun d'eux par leur nom. C'est pourquoi je te prie, impose-les toi-même la main. Une main de consécration et de bénédiction. Afin que, Seigneur, que l'on sache que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est leur Dieu. Et que tes serviteurs ont fléchi les genoux en ce jour pour te les consacrer après l'investiture. Seigneur, parmi eux, tu auras des hommes en plein temps pour l'Évangile. Parmi eux, tu auras des hommes qui financeront ton œuvre parce que tu le résoudrais à bénir abondamment. Parmi eux, tu as des gens qui vont aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, que ton plan le plus merveilleux s'accomplit dans leur vie. Alors qu'ils sont en position de soumission, remporte la victoire dans leur vie. Tu connais leur faiblesse. Seigneur, que le sang de Christ, que le sang de Christ, que le sang de l'agneau divin paye pour tous leurs péchés. Humblement, je te supplie, Père, de transférer tous leurs péchés à l'homme qui sont ici, tous leurs péchés passés, présents, sur l'agneau divin Jésus-Christ. Ô Jésus, toi qui es dans le lieu très saint, fais maintenant l'expiation pour les âmes qui sont devant ta face. Consacre leur vie à toi pour évangéliser, Seigneur, pour servir des âmes. Seigneur, fais l'expiation pour eux. Âme-les pour ton service. Et que les promesses, les engagements, tout, soit transformé en réalité dans leur vie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Tout-Puissant fasse de vous des hommes et des enfants de Dieu, prêts à le servir, partant en vainqueur pour vaincre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prie, donne-lui le jour, entends ma prière, sois mon soutien.
le chef Marc Hilary a venu prendre la bougie, la flamme, le et la passer à son successeur, le chef Kokorogo Elon. Chef Kokopelo, nous vous passons la flamme de l'Évangile en signe de témoin, afin que vous nous suiviez aussi et vous accompagnez dans l'œuvre que nous avons débutée pour accueillir l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Du directeur GIA de l'Union, ceux qui prennent la flamme face à ceux qui sont derrière pour qu'on puisse ensuite aller. Nous allons les inviter pour Thank you.
nous invitons. Martin. Merci, bienvenue, chef. Regardez. Nous invitons la certaine Sigetéry. Sigetéryta, avancez. Et enfin, nous invitons la certaine IN. Certaines mesdames, la collègue parmi nous. Maman a oublié. Bienvenue. Comme je l'ai dit, ils ont toujours été avec nous, ils sont toujours avec nous et ils continuent de nous soutenir malgré leur âge avancé. Nous avons. Pour le salut. Pour le chef. Pour le salut. Salut. Nous allons inviter. Le chef, le président de la fédération, chef Abedine Eyonam, le président de l'Union Mission de l'Est du Sahel, chef Dossou Simon, et le directeur de la société de jeunesse au niveau de notre union, le chef Pasteur Kra, a passé pour représenter les insignes d'honneur. Merci Tu peux m'en couper. Prêt pour le salut? Salut.